C'est ma façon de caresser. Chérie, tu prends quoi? Attends, je regarde ce que tu as pris là. Tu as pris. Et prends le plus cher. Ok. Tu sais que quand. Moi, je n'ai pas le problème. Je t'ai dit que je t'aime tellement que même ma mère et mon père, je ne peux pas les aimer comme je t'aime. C'est juste toi qui dérange. Ah bon? Oui. On te dérange encore plus. Non, libère, comprends-moi. Pourquoi vous, les femmes, vous ne réfléchissez pas comme les hommes? Quand un homme te drague, c'est une raison bien précise. Moi, je peux tout offrir. Mais quand je t'invite, tout au fond, c'est le problème. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas quand même traumatiser comme ça. Bon, ce que je te propose, on finit de boire, on mange. Fais comme tu veux. Hein? Mais j'espère que j'ai un endroit là que je veux que tu partes visiter. Donc, ne prends pas ça mal. On va. Ça va te plaire en tout cas. Ce n'est pas au genre d'endroit que je pense. Parce que toi et tes choses, like, il y a dit, je ne suis pas le genre de fille que tu rencontres aujourd'hui là et puis tu amènes des gens n'importe où. Moi j'ai des principes de vie. C'est bon, quand je vois une fille avec les cheveux naturels comme tu l'as passé, t'as coiffé là non. Ça me tue, ça me blesse, ça me saigne le cœur, je te dis. L'amour que je ressens pour toi, non, je ne te demande pas. C'est notre Dieu le Père qui aime la terre comme ça. Parce que toi, tu es le Père, c'est mon enfant. Je t'aime plus que moi-même, mais c'est toi qui dérange. Je te dis, mon parleur, comment je dis ce qui sort de mon cœur? Et si je fais esprit, quand tu exprimes des sentiments véritables. En tout cas, si c'est vrai, c'est que c'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas comme les 11 notables qui disent qu'ils vont gagner la canne et ne gagnent pas. Je ne suis pas là. Quand moi, je dis, je fais. Hein, je suis Francis Nani. Ah, ça? Et qui est toujours. Dieu t'a envoyé sur mon chemin parce que tu es avec moi. Ça va aller. Tu as commandé les gens. Pas encore. Ok. Non, elle va le faire. C'est comme ça que les vrais mariages commencent quand même. Tu ne commences pas seulement que tu le dis une fois à l'église, tu as déjà une raison de rencontrer. Non, ça se négocie justement, tu t'amènes, tu viens manger le poulet qui sort de l'Europe, les chèvres qui sortent de l'Europe. C'est la femme que tu veux épouser. Tu n'as pas besoin de ça. Ça dépend. Au premier regard, on connaît déjà si c'est la femme qu'on veut épouser ou si c'est la femme qu'on veut. Si c'est au premier regard, pourquoi tu me tiens encore? Quand tu regardes mon regard, là, tu ne vois pas que je suis vraiment brûlé. Et si je suis la personne que je veux seulement pour elle, on doit passer par après ça finalement. Non. Tu vas comment toi? Bon appétit, chérie. Merci. En fait, tu m'as pris, chérie. Donc, il paraît que tu as mis au restaurant, tout ça. Moi je ne suis pas habitué à venir dans un endroit, je viens là parce que je vais te faire plaisir. Et c'est réussi. Je tiens à toi. Bon appétit chérie. Merci. Je l'ai pour toi, je fais beaucoup d'efforts aujourd'hui. C'est quoi que tu m'as dit? J'ai bien que tu m'as amené aussi là. Ouais, bien d'abord. Donc c'est ça que tu disais que tu voulais manger. Ouais, bien d'abord. Papa. Nous ne sommes pas les seuls. Donc tu viens souvent ici? Non, comment? C'est juste que la clé dans la poche parce que je suis en sécurité. Installe-toi, c'est ton palais. C'est ton palais. Voilà. La clé. Pourquoi les gens s'y mettent souvent? Mais pourquoi je baisse le truc? Voilà. Voilà. J'ai l'air d'un genre aussi qu'on ne met pas les chaises dans les chambres. Assois-toi ici. Ne m'assois pas là-bas. Le problème maintenant, c'est quoi? On est venu bien juste ici. Il y a tu quoi? M'as dit que c'est ici qu'on venait. Je t'ai donc dit quoi? Tu m'as dit que je peux te montrer un bel endroit qui allait me plaire. C'est l'hôtel que tu venais te montrer. C'est n'importe quoi. Hé, hé, tu peux pas négliger un endroit que tu amènes. Ce sont les matelas orthopédiques. Tu connais ce que ça veut dire? Non, tu peux orthopédique. Non, tu peux orthopédique. De toute façon, quand tu as ça, les enfants que tu accouches seront les métisses. Je ne veux pas les métisses. Tu as d'abord pris la chambre d'hôtel ici, là. Tu m'as demandé mon avis. Tu m'as demandé mon avis. Il ne t'a pas dit que j'étais une femme de place. Attends.
dans Gaza, tu as mangé tout un plat de poulet. J'étais un homme de presse. Tu as mangé un beignet qui est comme ça. Tu as un. C'est de quoi? Voilà. Les noms que je ne connais pas. Hein? Tu connais combien ça m'a coûté? Tu connais? Ce que je vais te dire. Mais c'était forcé. C'était pas forcé. Ce que je vais te dire. Il n'était pas forcé. Tant que je suis posé. Ah. Hein? Là où tu me vois là. Hein? Il me laisse en tout et pour tout. Hein? 500 francs. Tu ne peux plus jouer avec moi. Pardon, des habitants te couchent. Je ne veux pas qu'on arrive. On fait les choses que j'entends souvent qu'on fait là. Il me déshabille, me couche pourquoi? Okay. On avait un contrat. Toi et moi, on avait quel contrat? C'est pas la sorcellerie. Depuis 6 mois que je suis sorti de prison, on te dit que tu manges mon argent. Tu pars avec moi dans les restaurants. Tu crois que ça se passe comment? Et c'est ça le but. Le but, c'est quoi? C'est d'apprendre à se connaître. Non, je sais pas que j'allais m'épouser. On a tout le temps pour faire ça. On a tout le temps pour se connecter. Donc j'étais même en prison. Mon argent aussi a tout le temps pour que tu puisses te dépenser. Donc j'étais en prison. J'étais en prison. Tu viens de dire que tu étais en prison, que ça fait 6 mois que tu es sorti. Ouais, laisse-moi les choses que tu peux venir pleurer là. Mmh. Quand tu vois, tu es l'ancienne dans ce qu'on fait ici. Faut pas me perdre le temps. C'est quoi? Hein? Quand j'ai payé la chambre d'hôtel, tu m'as dit que tu as refusé. Je te demandais de payer. Est-ce que tu as refusé de payer? Je connaissais alors ce que tu payais. Attends, tu vois que je passe pas la commande encore les baignées. Mais on peut venir dans son couche, je te couche, je me couche. Je suis obligé de me déshabiller. Commence-toi donc. Oui. Moi, je n'ai pas encore sommeil. Moi, je n'ai pas encore sommeil. Hein? Tu sais. Regarde-moi dans les yeux. Tu vois le regard ici? Ça, c'est le regard quand ils sont coquins. Tu me suis nous. Les hommes ont perdu par rapport au comportement pareil. Tu as mangé. Les gens ont mangé, on leur donnait les primes. Ils étaient contents. Maintenant, quand le mat arrive, un problème. Et surtout la fin de nuit. Moi, je n'ai pas peur. Quand je t'ai fait le dépôt, tu prends soin de moi. Est-ce que moi, ici, alors, Ken, si toi, tu es français, c'est toi qui m'as dit qu'on va manger dans le machin où on te servait le gros beignet comme ça. Un beignet à 15 000. Pourquoi on a mis la dame dedans? C'était quoi? Je vais t'apprendre, ma fille. Quand c'est que tu n'aimes pas quelqu'un, même son argent, non. Laisse. Pardon, tant que je suis posé, couche-toi, ne me perds pas le temps. Je n'ai pas que ça à faire. Tu me suis. Je te déshabille pourquoi, Eric, c'est comme. On est venu juste s'habiller. Hein? Pourquoi c'est quelle mentalité ça? On t'a dit que tu penses. Ils sont encore posés. Si tu veux dire que toi, dégager un truc que tu ne connais pas. Quand je sors. 15 000 pour payer une chambre d'hôtel, selon toi, c'est pour combien payer? Hein? On n'est pas rentré. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas empêché de payer la chambre? Je connaissais que tu payais pour moi. Pourquoi tu m'as. Parce que c'était mon argent. Quand on s'est croisé en journée, je t'ai dit quoi? Hein? Allons dans un restaurant normal où je peux te payer. Tu m'as dit non. Que tu n'es pas n'importe qui, que quand ton père était encore général, tu vois quoi? Il t'a dit que non, je ne veux pas entendre les trucs là, je n'aime pas les gros mots là. Si ton père était général, il ne t'a pas dit que tu dois être son père, genre, s'il te plaît, couche-toi. C'est ton ami après moi. Bon, selon ton ami après, c'est quoi? Tu vas madame, c'est dans les mêmes billets, les mêmes numéros qui étaient sur les billets. Les mêmes billets, les mêmes numéros, comment ça se passe? C'est rien que c'est comment? Comme tu ne peux pas la mousser, pardon, tu peux te coucher. Mais je peux te donner au cas où, si je vais te faire le dépôt, je vais prendre tes billets où? C'est moi qui fabrique ça. Je t'ai dit que j'ai les comptes qu'on fait le dépôt aux gens. Mais on s'en va aller pas retirer Orange. Tu veux pas retirer Orange Monique? C'est y a fait mal aussi. Il se fait tard. Hein? Ne complique. Un truc que Dieu t'a donné gratuitement, pourquoi tu veux. Pourquoi tu veux compliquer la vie? Donc c'est parce que tu m'as donné gratuitement que je me recouvre pas avec n'importe qui. C'est moi que tu appelles n'importe qui? Non, non, c'est pas toi. Cameroun, c'est un pays de paix. Un pays de loi. Pour respecter ceux qui ont raison. Non. Pourquoi tu m'appelles autant? Pourquoi quand je me maîtrisais jusqu'à mon cœur pas, comme si c'était une voiture qui allait se prendre l'action lourde, tu ne vois pas que je suis encore épousé? Hein? C'est ça l'amiable, non? Ça là? L'amiable. Dans l'amiable que tu vois là, pourquoi tu m'appelles autant? Hein? Pourquoi? Tu veux que mon histoire ressemble aux histoires que j'entends souvent que les gens partent souvent dans les chambres d'hôtel là, à fin de payer. La vie t'a vu à fin de payer. Maintenant,
arrivé. Comment elle a dit subitement, on l'a appelé que sa grand-mère vient de mourir. On l'a appelé que non, les choses sont tristement. Moi, je ne suis pas comme ça. Depuis que tu l'as, j'étais touché. Tu connais mon histoire. J'ai fait 6 ans de prison. Ça fait 6 mois que je suis dehors. Je n'ai encore fait aucun problème à quelqu'un. Si tu ne veux pas que je te tue, tu fais 6 ans en pensant à moi, ma même chose. Avant que je me fâche, il faut que tu racontes d'abord exactement comment j'ai fait pour me retrouver ici. Quand tu m'as appelé le matin, je ne t'ai pas dit de m'appeler. J'étais foiré comme une souris d'église. Tu me dis que tu veux me voir. Tu dis, ah non, je n'aime pas sortir si je n'aime pas l'argent. Tu me dis, non, toi, j'ai envie de me voir. Tu veux qu'on cause. Tu veux que ça devienne sérieux entre toi et moi. J'ai dit, ok, je me suis battu. Je suis parti m'emmener chez le boutiquier du quartier. Un gars que. Il m'a prêté l'argent là parce que je suis un gars qui n'est pas très bien. Tu vois, il m'a donné 50 000. J'ai pris 50 000 là. Je me suis dit, non, si je suis avec toi, je peux t'amener dans un endroit où on vend la bière à 500 ou 600. On mange un plat de 500 ou 1000 francs. Tu me dis non, que je ne dois pas te prendre comme n'importe qui. Toi, tu as été habitué au grand milieu. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Quand on est amoureux, on est prêt à tout faire pour sa moitié. J'ai tout fait. Tu es parti avec moi dans un restaurant où, quand on s'est embêlé comme ça, 15 000. C'est pas un beignet. Mon problème, ce n'est pas si c'est le beignet, ce n'est pas le beignet. Mais non, on a dépensé là-bas. 45 000. Hein? Pour combien ici? Toi, tu as vu? C'est le petit frère que j'ai vu. Que tu as vu, j'ai salé fort là. Qui m'a donné 10 000. J'ai pas la chambre. 15 000. Tu n'as même pas pitié. Parce que je suis la bande du fou. On vient ici. Quand on entre, tu me sors les grosses phrases. Comme quoi? Wow! Tu ne savais pas qu'on venait ici. Quand on venait ici, et tu n'avais pas force. Mais c'est même pas ça un problème. Donc, comme tu savais que tu allais encore voir la chambre, tu n'étais pas venu. Maintenant, quand on te dit, couche-toi. Hein? Comment ça m'a fait des cours de science? Non, comment quoi? Je suis malade. Dans tes cours de science de maladie là, j'ai dit, je suis plus souffrant que toi. Okay. Tu as quelle maladie? J'ai même l'épilepsie. Tu as l'épilepsie? J'ai l'asthme, tout ça mélangé. J'ai oublié de te dire, toutes les maladies que tu as là, j'ai les mêmes maladies. Okay. On va mourir le même jour. Parce qu'on mangeait, non, on mangeait ensemble, on buvait ensemble, on dépensait l'argent que j'ai pris à crédit chez le gars qui m'a mis ma reste demain ensemble. Là où c'est là, avant que les gens qui ont l'hôtel ici comprennent qu'une mauvaise personne est entrée, lève-toi, tu te couches, hein? Tu me libères, tu vois pas, non, c'est sans effort. Quand je parle, tu es encore assise, hein? Tu me compares au Camerounais? Qui ont soit chez CL pour nous là. Mm-hmm. Quand tu payes l'hôtel, après une fille vient te raconter sa vie, alors que tu as vu payer l'hôtel. Pardon. Tu ne te couches pas. Pardon. Tu vas mourir avant le temps. Pardon. Ton cercueil est comme là. Tu vas connaître ta couleur sur ton cercueil. Attends, je t'aime là-bas. Viens, là où c'est là. Là où c'est là. Tu vas non. Tu vas connaître pourquoi mon âge. Moi-même, j'enlève. Moi-même, j'enlève. Là, t'es fait choix. T'as l'air. Non. Et doucement, maman, c'est comment? C'est le bon coup. C'est ma façon de caresser.